During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together. Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est Causé Santé qui est entré dans le salon La Caillou encore pour porter information pour vous qui est capable d'aider, servir vous-même ou bien famille ou bien aux amis. Nom c'est Gerna Blo, c'est un passe président Anna que nous connaissons de Haitian American Nurses Association. Aucun pile monde dit Anna. Nous sommes ensemble avec là, Dr. Marlène César, c'est lui-même qui est passe président de l'association. On va dire bonsoir, Dr. César, et pour l'introduire, tête-lui. Bonsoir, Dr. Blo. Bonsoir. Et moi-même, moi, c'est Dr. Marlène César. Moi, c'est un ancien membre de plusieurs années de Haitian American Nurses Association. Et je dis, c'est avec plaisir que je me retrouve avec deux confrères pour nous présenter une émission sur santé mentale qui est capable d'aider les familles, aider les sociétés et les communautés. Merci, Dr. César. Et puis tout, nous avons ensemble avec nous tout, M. Reno Jean-Louis. Lui-même, même si on Family and Mental Health Nurse Practitioner, nous parle dit M. Reno, bonsoir, et lui parle présenter tête à nous-mêmes communauté. Bonsoir. Bonsoir, Gernard Blood. Merci en pile le fait que vous invitez ma soirée pour nous capables de débattre un topic qui est extrêmement important, qui affecte la communauté. Ça fait mon plaisir en pile. Moi-même, c'est currently, je travaille à Jackson Memorial Hospital et je travaille aussi dans le Rimat Medical Clinic à ses premiers et mental health nurse practitioner. Bonsoir, bonsoir encore. Comme on dit nous, comme à l'accoutumée, ainsi que vous-même, vous branchez sur nous, qu'on y a là où est que nous là, relions amis, relions famille, parce que l'information ça, que nous pouvons partager ensemble avec l'autre. Peut-être vous n'avez pas besoin, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin, et peut-être vous n'avez pas même partager avec l'autre monde. So, nous dit encore bonsoir. So, topic ça que nous pouvons parler de l'IA, sujet ça que nous pouvons parler de l'IA, nous-mêmes haïtiens, nous tendons parler de ça. Puis nous, tous dans la vie, nous sommes capables de dire une fois ou une autre que vous êtes traumatisé. Qui ça aurait été traumatisé? Ou vous avez un événement qui est passé dans le corps, que peut-être vous sont trop mal liés. Nous-mêmes, nous, en Haïti, nous avons dit son cauchemar. Là, que un gros événement, parce que si nous sommes capables de parler de séisme qui est passé en Haïti en 2010, ça veut dire en plus, nous avons dit que nous-mêmes, haïtiens, nous très résilients, qui veut dire que nous avons force, nous avons courage. Donc, en pile de fois, nous gardons trauma que nous disons en anglais ou bien trauma que nous disons en créole. Il y a toujours gardé aspect physiologique qui veut dire comment que le fait ou peut-être ou capable de sentir ou malaise. Mais quand y a là, nous pouvons regarder aspect mental là-dedans. Parce que les qu'on traumatisé ou qu'il y a un monde qui mourit soudainement ou pas de connaître mon entapement ou bien qu'on maladie ou pas de expecter que ça t'a privé, que nous capables de dire tout le monde qui est là vraiment son sujet qui est très important que nous pouvons aller. Nous avons deux experts à la matière qui pourraient aider nous et parler de sujet ça qui est tellement important dans la vie, dans tout chrétien, pas nous-mêmes haïtiens, parce que ou pas qu'a dit que si que vous vivez ou pas t'es passé en sorte de trauma dans vous. Encore nous disons bonsoir et on va commencer avec un docteur César, lui-même, c'est deux docteurs, papa. Les docteurs en médecine, les docteurs en nursing practice, et plutôt toute ville la travaille avec santé mentale. So, nous allons te commander pour un bon expert. C'est ça qui fait que nous voulons dire en tout mon bio, nous disons merci, docteur César Patella, de retourner encore à Miami pour être capable de venir rejoindre nous dans The Haitian American Nurses Association pour venir avec toute connaissance que le gain pour partager avec nous même les membres et puis au même tout auditeur au cap côté nous qu'on y a là. Bonsoir, docteur César, une question pour vous. Si que ou t'es qu'a dit nous exactement qui ça trauma et combien type de trauma, comment qu'a défini ça pour un monde cap côté nous qu'on y a là, peut-être qui pas jamais temps, qui pas jamais expérience trauma dans ville ou bien qui pas connaît au monde qui passe que pas penser ça qu'a fait parce que tout le monde dans vie passe un type de trauma anyway. Sûrement. D'abord avant que nous ta capable définir trauma, faut nous dire mon yo que et dans l'histoire même du mot trauma, c'est un mot qui était plus ou moins qui était balancé l'importance dans le domaine militaire chez les vétérans. Des gens qui étaient passés la guerre
et surtout quand on parlait de la guerre de Vietnam. Et depuis la guerre de Vietnam, eh bien, le mot trauma, avec quantité de soldats qui étaient morts, même dans la Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, t'es gain en pile et événements traumatiques qui t'est arrivé ou bien soldats, ou bien familles, ou bien moun yo t'es quitté derrière. Mais par contre, et nous vinouais que dans les années et 1900 et en montant, et même surtout dans les premières années de 2000, eh bien, le mot trauma vient très courant dans le domaine psychiatrique et même dans le domaine journalier. Alors, c'est pour montrer nous que un trauma, d'abord, qui ça nous est capable de dire de lui, pour nous faire que nous comprenions très bien créole qui ça lié, c'est que son événement qui passe dans la vie, et puis événement passé ou pas d'importance, ou bien on a l'importance, eh bien, ou développer une série de séquelles. D'abord, son cauchemar, et deuxièmement, son série de rêves qu'on a gagné à partir de trauma ça qui passe. Trauma capable émotionnel, il capable psychologique, il quand même physiologique. Et si on prend un monde qui a un cancer, et bien bon, il y a des traumas qui fait de un tissu à un autre et ou bien de un organe à un autre. Et l'on prend dans le domaine social, et bien c'est des séquelles de un événement qu'on vivre et li et agit sur au niveau psychologique ou bien au niveau émotionnel. Alors c'est ça que on trauma relé. Bien, c'est pas tout le monde qui réagit à trauma même gens et comme nous passé dans l'histoire, nous même haïtiens, il dit que haïtien pas jamais gain séquelles de trauma. Pour qui ça? Parce que il déclaré que haïtien très résilient. Avec résilience ça fait que il était difficile pour un pile monde te comprendre réaction clinique haïtien après le séisme de 2010, c'est le tremblement de terre. Et il était on interrogation pour un pile psychologue, un pile monde qui était allé en Haïti à l'aider, il dit on pas comprendre comment peuple ça fait vivre avec un événement comme ça et on pas vraiment trouver un pile monde qui était gain des séquelles immédiates. Mais par contre faut me dire non que trauma c'est pas mal qui va réagir tout de suite, il cap prend temps. Parce qu'on peut comprendre première semaine qu'on vit événement en rien pas passé et par la suite événement vient à montrer vraiment c'est là que les de deal et onset of a traumatic situation. Et nous voyons que trauma passé est dans la littérature comme étant un précurseur ou même une cause importante pour ça nous relayer en post-traumatic stress disorder. Et c'est ça que fait. Tout le temps où on a parlé de trauma, on mettait PTSD avec. Mais le trauma vient développer dans un événement qui vraiment attaquait mon nom et nous, elle commençait à développer des séquelles psychologiques. À ce moment-là, il vient tourner un complexe PTSD. C'est du complexe PTSD, hein, son PTSD qui vient développer sous forme de dépression, sous forme d'anxiété et sous forme même de psychose des fois. Alors c'est ça nous t'a dit pour nous définir trauma et je crois que et docteur Blou dit que pas un monde qui a dit on va jamais passer une traumatique situation dans vie et nous connaît que nous mêmes haïtiens puisque nous déjà l'ébol avec et que nous très résilients et à ce moment il est très difficile pour nous garder et nous venons réaliser que conseil de monde kounien qui ont série d'émotions après 10 ans c'est kounien il a développé des séquelles de PTSD qui c'est post traumatique stress disorder. Merci, Dr. César. Je crois que Liban a une grande définition, une définition très longue, que je n'ai pas même besoin pour être capable de summariser, comme on toujours fait, on toujours fait un résumé de définition que ça me fait, même parce que je fais tellement très bien, si on n'a pas même besoin de faire notre résumé sur lui. Quand il y en a passé à M. Reynaud, c'est lui-même qui a essayé de ça qu'il travaille, c'est un family and mental health nurse practitioner, c'est le travail de Wampil Moon qui vraiment souffrit avec what we call the PTSD ou bien nous dit PTSD qui veut dire son post-traumatique. Les côtés fin fait trauma qui effet qui gagne après que ou il était passé dans vie ou qui sort de trauma comme nous dit, il est capable peut-être physiologique, il est capable affecter ou dans physical ou bien il est capable affecter émotionnellement. Émotionnellement, quand on est là, on a parlé plus dès qu'on a parlé qui sort d'aspect, qui sort de ce que l'école fait sur vous mentalement. Mais quand on est là, demandez Monsieur Reynaud, s'il vous plaît. Comme le docteur César a déjà parlé nous de un pile monde qui fait trauma le plus souvent yo konn diagnostiqué avec what we call in English de PTSD ou bien PTSD. Sou te ka di moun yo ki sa, what is PTSD? Oh, well, first of all, m'a dit que docteur César a défini exactement
tout ça que on est capable besoin de PTSD. Et Jean docteur Blodi là, qui que ce soit monde koyer, qui que soit monde koyer ou gain pour passer trauma ou gain pour passer ça dans vie ou quand même. C'est ça qui fait que yo monde ta qui disons Haïti ou à vivre ta avec peur ou gon crainte ou gain ta gen gang tant que femme n'a cap affecter famille ou cap terroriser famille ou gen petit ou cap qui n'a caille n'a venu là pour petit monde ça il vient porter un effet psychologique sur petit monde il vient affecter petit monde ça non seulement émotionnellement physiquement il affecte tout corps petit monde et là que ça arrivé Jean docteur si ça sont dit là il pas obligé demain si Dieu veut ou bien après demain pour capable sentir qu'on gagne faire et capable prendre years avant qu'on commence ouais que gon problème qui arrive là comme ça ça passe moun sa ou vinn become bien vinn gon ça ou leon low self esteem yo pas capable tant que yo penser que la vie pas important pour yo ou devrait faire très attention avec moun sa ou parce que moun sa ou capable end up tuer tête parce que yo arrive dans moment où ça que vie ça pas important pour yo puis yo mourir là ça ouais moun sa ou développer ça les dépressions. Yo pas capable vivre bien, yo pas banken bag importance et moun sa tout vinn développer gen docteur sa dit anxiety, yo gen anxiety ou pas capable faire rien. C'est là que moun kap travaille dans fil là vinn entrer en perspective pour dire qui j'ai que moi-même moun capable faire pour aider moun sa ou. Parce que si que ou pas aider moun sa ou ça va passer moun sa ou pour aller après il fait ça ou les self medicate themselves c'est là ça moun sa ou aller yo la gueu dans drogue yo la gueu dans alcool et puis là ça même ou vinn que tant qu'on fait un plus gros problème qu'on parle en confronter ça m'appelle ou confronter avec PTSD mais ou confronter avec tant qu'on fait dans un secondary issue que moun a gagne que c'est tant qu'on fait dans alcool et drug abuse but PTSD it will and on croit que tant qu'on docteur si ça fait un gros râle sur lui qui est extrêmement important que nous devons être très sérieux. Ah, merci, M. Renaud. Nous voulons dire merci encore. Nous voulons faire connaître que le monde qui a écouté nous fait nous connaître que le programme ça, rentrer la caillou, c'est à l'aide de nous-mêmes, les infirmières de l'Association des infirmières haïtiennes, nous, comme nous connaissons Anna, qui vraiment care pour la communauté. Nous toujours apporter des informations que vous-même qui capable d'aider ou qui capable d'aider les familles. Et puis, tout pas oublier que Anna a un fils qui, dans 1870, notre 171 street, dans Miami Beach, que nous ouvrons 3 jours dans la semaine, lundi, jeudi et vendredi, de 10h à 5h p.m. C'est aussi que tu as besoin. C'est office là, ça que nous faisons pile programme éducatif, si que vous besoin, ou t'as besoin des informations, et puis si que vous avez passé tout, ou t'as besoin de checker support, bien attention, infirmière là pour capable aider c'est bon clinique que nous gagnons, nous plus là pour nous capable faire information, pour nous faire éducation, comme nous connaissons que Anna basé plus dans éducation pour capable aider tête, parce que ce qu'on fait diabète, ou pas qu'on est comment pour prendre médicament, ou pas qu'on est effet secondaire, nous là pour nous capable aider avec médicaments et tout. Pas oublier que encore, office en Sénat 1870, notice 171 street, Miami Beach, Florida 33162. We want to get a shout out to all the members and our new president, Madame Katiana Setoma Azima, que nous connaissons, qui est capable de nous écouter. Pour nous capable continuer, nous pouvons demander au Dr. César, est-ce que vraiment moun nan qui fait PTSD, hein? Est-ce que ça capable gain un effet à long terme ou bien un effet paf, comme et monsieur Renaud vraiment dit que le fait que moun te fait trauma ou pas ou capable ka effet hein, immédiatement gain des moun li prend temps pour li. Parce que si vous voulez faire un exemple parce que nous te fait partie de séisme de 2010, de tremblement de terre 2010 là, parce que nous même infirmières yo après une semaine nous tout te descend en bas pour nous t'aider moi même pour quand moi me fait post traumatique cette traumatis. I could not believe, pas parce que c'était vrai. Vini, la camoin, pas qu'à dormir pour 2 semaines. Pas qu'à dormir. Et nous songeons que c'était Dr. César qui était venu, qui était fait une session ensemble avec nous pour t'aider, nous, pour te battre nous et des points comment pour nous capables d'aider tête. Nous t'allons, nous t'allons des mondes, mais moi même pas de carte parce que ça me donne c'est bruit, mon yo cap crié, qui côté que nous t'aider. Et puis tout est tellement gain peur, vraiment pitié et trauma est vraiment capable d'affecter n'importe qui. C'est ça fait moi même les passer, pas connecte César jusqu'à ce que Dr. César t'est venu pour être capable d'expliquer nous parce que lui connaît, il était bon.
pour être capable de faire cours ensemble avec nous, de faire une présentation pour nous qui t'a vraiment aidé. So, docteur César, est-ce que les gens qui font PTSD, est-ce que ça peut avoir un long-term effect ou bien est-ce que son bagage que vous êtes capable d'avoir ou bien son bagage que vous êtes capable de mettre sous côté qui dit que vous ne pouvez pas aller sous ça, vous ne pouvez pas faire sous ça? Bon, je suis content de la question, docteur Blo. Et il faut me dire que PTSD, et nous prenons à la légère des fois. Pour qui ça? Parce que les symptômes de PTSD qui a duré seulement 4 semaines. Maintenant, à partir de 4 semaines, on expert, tant que nous deux là qui avons à soin, eh bien, nous allons voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire que qu'il y a un événement qui est passé dans le violent, qui est provoqué et réveil psychologique ça, ou bien réveil émotionnel ça, eh bien, il y a besoin de prendre soin. Et si vous quittez 4 semaines dans le passé, ou pas prendre soin, et année après année, c'est ça qui fait que Kounien, actuellement, nous jouons un bon monde en Haïti qui a souffert de PTSD. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas prendre soin de lui, vous quittez le passé à cause de delayed onset of, de PTSD. C'est-à-dire que son une maladie liée, une maladie mentale que liée, et lui développer, il prend temps pour le développer. Ou pas ou elle tout de suite, et plus ou pas ou elle, c'est plus une clinique ou bien une chronique. Avant même que nous continuions à parler de qui ça peut faire pour PTSD, ou bien s'il a des conséquences à long terme, c'est sûr qu'il y a des conséquences à long terme, et conséquences, malheureusement, ces conséquences psychologiques qui sont capables de développer en des crises psychiatriques qui vont manifester qu'on y a par des psychoses, c'est-à-dire que les gens doivent attendre des voix, ils doivent voir des bagailles et ils commencent des psychoses visuelles ou bien des psychoses auditorielles ou bien auditoires. Et c'est très important parce que là, ça, les gens viennent tout le temps énervés, ils ne pas croire dans la tête li, et ils viennent un problème côté que les gens ont besoin vraiment d'assistance psychiatrique. Et c'est très, très, très important. Maintenant, au fur et à mesure que PTSD a développé, il y a plusieurs autres types que nous n'avons pas parlé dans la première question. Il y a plusieurs autres types de traumas qui peuvent provoquer PTSD. Nous parlons d'abord de societal en trauma. Et ces traumas est socio, psychologique ou bien psychosocial, et commencer par le racisme. Le racisme, d'abord, c'est un plus gros élément qui joue dans le long terme et chronique en PTSD. Ça veut dire qu'un petit monde noir qui est levé dans un quartier défavorisé, et dans un quartier défavorisé, ça a eu passé, il a fait un pile abus à petit monde, et bien, petit monde vient développer ce qu'on appelle un trauma raciste. OK, et troisièmement tout, il y a un autre trauma que qu'on y a un pile psychiatre mettait et en phase sous lui, c'est ça n'appelé et trauma enfantin. C'est et trauma que si on a accumulé pendant l'enfance li, et trauma ça yo, c'est trauma qui vient fait que les psychologues en moderne adverse childhood experiences qu'on appelle ACEs, eh bien yo même ça yo vient faire, yo vient causer des problèmes mentaux qui viennent des problèmes mentaux qui viennent vraiment déstabilisant ou même handicap pour série de monde. Et à partir du moment qu'on développe genre de trauma qui prendre de pouté timoun ou grandi avec, eh bien, ou vient présenter des séquences qui va faire que PTSD pour l'an, le a analysé, il a vient plus long et la a bien plus grand effet et a obligé faire des traitements pour lui. Normalement, pas un traitement pour PTSD, mais quand même, les thérapies peuvent aider et nous voyons que la thérapie la plus courante que ont utilisée, c'est ça, oui, les CBT, hein, qui c'est Cognitive Behavioral Therapy, et il y a la psychodynamique thérapie psychodynamique que nous faisons avec Timoun qui développé avec adverse childhood experiences. Et toute la psychologie moderne qu'on a leur analysé un grand monde qui gagne un PTSD qui dure trop longtemps, et bien à ce moment-là, on regarde les adverse childhood experiences qui viennent provoquer ce qu'on appelle informed trauma en thérapie. So, si vous voulez comprendre bien, docteur César, en plus des fois où il y a des gens qui gagnent on behavior capable de cap agir en façon que c'est pas comme ça mon ça t'est agi sont capable de vraiment c'est en sorte de effet secondaire de on post traumatic disorder qui est capable exactement ça. Exactement la... mais nous mettez plus en phase qu'on y a en moderne psychologie sur les ACE. Les ACE, c'est adverse
childhood experiences. Ça veut dire que ce sont des traumas que tu m'as connais ou bien à partir de famille immédiatement, ou bien à partir de société côté le tab vivre, qui societal level, ou bien racisme, ok, ou bien qu'on y a un, il y a un bagage qui crée des problèmes, c'est cyber problem. C'est Timoun que yo attaqué au niveau de social media et yo mette photo Timoun nan Facebook et puis yo passe Timoun nan bêtise. Tout ça fait Timoun nan développer des cauchemars et ces cauchemars là, les difficiles pour traiter yo, c'est là qu'on pas qu'à éviter yo. En un sens, ou qu'à éviter PTSD, sous développer sous ou diagnostiquer très tôt. Mais si vous ne diagnostiquez pas le taux et pour ne pas chercher à connaître tout, dans fin fond, histoire, monde qui est malade, eh bien, c'est très important pour garder trauma, qui est trauma enfantin, qui très souvent développé en psychose et très souvent tout développé en problème de sociopathe et même de psychopathe. Mm-hmm. Bien content que belle exposé ça qu'on fait. Je vais dire un bagage bien vite. En pile des fois, si mon petit la caillou, maman a quitté la caillou avec un beau-père, ou bien quitté la avec un monde, si mon ça a rip, ou quand on connaît comme si il y a une sorte de trust. Mon a dit que il pas qu'à courir mon ou bien mon n'a pas qu'à arrêter nos relations. Vous connaissez ça sur un sujet qui est capable de. Ça, c'est très important. Tout ça, il fait partie de adverse childhood experience. Surtout si tu as un rip qui t'est fait, et surtout, il dit que bon, c'est le même. Et des femmes et qui ont été bah connais même que yo et répio yo forcé ou non relation que yo pas te vle gagner li gen droit laisser des séquelles qui viennent provoquer un long term PTSD et c'est pour raison ça tombe bonne pay attention tout ça docteur Blotia foster kid. Yes. Yeah, ces enfants-là. Si vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de famille. Et la famille, ça a abgoumé en un kaila matin et diaswe. Ça, quoi vient de passer? Si mon nom pas sentir white way et c'est ça fait dire ça que PTSD a même il prend temps pour développer c'est ça fait Timon ça va venir développer ça les conduct disorder Timon a couru dans la rue Timon a volé et pour ou dire ça passe Timon dans anger management Timon donc faut pas contrôler lui tout ça c'est à cause de trauma que yo ouais dans cas la parabomé et puis qui vient provoquer conduct disorder ça la Timon exactement merci monsieur Renaud c'est un sujet qui vrai vraiment qui capable trouver les noms pile caille parents haïtiens qui côté nous connaît pas tellement nous même les haïtiens les tout partout mais on capable trouver vraiment affaire que de trauma que n'a pas l'air c'est un sujet qui est tellement important on pas croire que 30 minutes là que nous gagnons nous capable parler de tout ça que nous gagnons pour nous présenter aller mais n'a bon un overview qui ça pour capable voir les gros monde qui vivre ensemble avec pour ce PTSD vraiment les que gros monde qui vivre avec un post traumatique un symptôme disorder ou capable voir stress disorder ou capable voir monde à quelquefois dire mais c'est pas tel ça mais gagne a agi en façon que pas comprendre qui ça qui cause tout bagaille ça mais les commencer à parler avec moi, dès que nous trouvons un thérapeute pour le capable de parler ensemble avec elle, lui faire confiance pour le capable de parler, de nous capable de get on the bottom of the problem, ou capable de voir exactement qui ça qui fait ça. Ok, monsieur Renaud, capable de dire, si que on moune, t'es comme moi-même qui est infirmière, parce que n'a pas parlé pour toute infirmière et tout, qui est malade, ou bien ou même qui la caille ensemble avec famille, qui type de symptômes qu'on a pas pris au monde qui fait et qui a trauma ou bien PTSD, qui sont de symptômes qu'on a capable de gagner pour capable faire qu'on est ah, ça veut dire que les gens agissent là, bon, bah, qui pas bon. En pile fois, il maybe very difficult pour capable déterminer ça là, quand même. Parce que les gens qui ont PTSD ou capable. Il y a des gens qui connaissent qui j'ai pu manager. C'est même des gens qui ont une dépression. Les gens sont capables de connaître qui j'ai pu manager et couvrir. Mais ceux qui cherchent aide sont capables. Quand ils sont capables de déterminer la commande. Par exemple, les gens ont abdormi et puis la fait des rêves. C'est ça que nous appelons les night terrors. Ok? Les gens ont abgoumé la tête. Les gens ont fait un screaming, la prélé. Les gens ont sué. Ça, c'est. Symptômes qui m'ont dit pour capable d'être vraiment un spécialiste. Moun ça capable de rester un moment où il n'est pas capable de dormir. La, en pile fois, moun n'a pas même rendu compte le lever de matin, qui s'est passé dans le domaine. Moun a fait hallucination. Là, pour revivre, tu vois, ma qui passé là. En tout cas, par exemple, un moun ou la caillou, il y aurait moun. Devant. Devant. Et puis, quand il y a là, chaque fois qu'on parle de même groupe moun ça, on parle devant, c'est même ça. Qui vient affecter. So, les comme ça, ou vient ou dit ah,
moun sa commence à développer dépression, moun sa ta konfè nan ibi comme anxiety, moun sa dingo mood swing. OK, laisse ça. Qui sont pour le faire pour moun sa ou obligé ta kou ba moun sa thérapie. Et en pile froid, si famille capable venir ou get involved, parce que sometimes moun nan capable même rendre compte de ça ou dit OK, on a fait thérapie. Zami, famille, si tout moun sa va get involved pour aider moun sa nan moment ça là ou mettre dans thérapie, moun sa OK. En pile froid, moun ki di an ba médicament. Jean docteur s'a dit pas gen médicament pour PTSD. C'est psychothérapie pour capable aider mon nan puis capable adjust à ça qui passé à ou pour le mettre mon nan dans un médicament, c'est là que mon nan commence à développer ta confrère nan et symptômes qu'on pas il pas capable contrôler lui-même. On va le traiter symptômes, on va traiter symptômes ta que mon nan gain anxiety, mon nan gain dépression, pas gain qui intéressé et mon ça gain dépression, il quand même tirer tête lui-même. Et là mon ça tout l'a chercher aide, pas qu'à trouver aide, c'est ça que me te dire auparavant mon nan fait ça le self neglect et mon nan vient do self medicate himself et puis quand là mon nan fait des séries de behaviors qui reckless ou pas comme ça que non, c'est pas mon amour et pas lui-même, c'est là ça même au capable disons ça qui bon mettre mon dans médicament pour traiter symptômes que bien merci en pile pour belle expression. Ça me t'est capable dire que nous même qui gain famille nous en Haïti, imagine que ou rete dans caillou et puis zinglando entrer vinn tirer moun yo la caillou capable moun ça qui vive événement ça post traumatique disorder ça on pas connaît comment imaginer chaque le pour on n'a revivre moment ça et puis tout peut-être tout monde cap marcher dans les rues de Port-au-Prince pour capable après tout moyo étaler dans flow dans à terre pendant que y a marché capable ouais programme ça n'a fait tellement important pour nous même qui est famille nous en Haïti pour nous connaître que les que yo kidnapper mon yo mandé que quand combien comme pour porter aller ou même famille ça qui vivre dans tête ou demander qui ça fait famille ou son trauma que lié pour ou même que ou pour vivre ensemble avec pour combien de temps. So me dit encore l'association des infirmières merci à chaque instant que vous portez des programmes qui tellement important et puis programme que nous pas bien pile importance parce que en pile monde prend trauma mais on mettait comme si parce que ou pas gagne la fièvre parce que ou pas gagne ou pas gagne diabète ou pas gagne hypertension ou penser que ça pas des c'est pas d'être beaucoup capable des sujets pour capable discuter pour capable faire mon awareness with us Hannah we bring awareness nous voulons connaître nous voulons faire connaître que toute bagarre fait partie de la vie et puis tout les coups mon a pas agi comme ça pour capable connaître comment pour aider ce docteur César capable dire comme ça que nous mêmes qui haïtiens est-ce que culture nous et le fait que côté nous te lever capable fait que nous prône qui veut dire est-ce que le capable mettre nous plus à risque pour nous capable faire et mental disorder ou bien PTSD. Bon, faut me dire que le mot culture qui est employé là, c'est pas vraiment culture dans le sens étymologique du terme, c'est pas vraiment culture, c'est haïtien, c'est américain, c'est espagnol. Cette culture, c'est une définition de des valeurs de la personne, de orientation moun sa yo. Aux États-Unis, nous voyons que cultural difficulties, cultural background create a lot of PTSD. Et puis tout le monde commence à dire bon, parce que yo noir ou bien parce que yo blanc. Non, on parle des sous-groupes dans la société. Ces sous-groupes, ce sont les noirs d'abord, qui dans la société américaine qui représente les minorités, sont bien gardés, parce que quand on regarde la population des États-Unis, mon Dieu, les Noirs représentent très peu. Et Pagnol a monté sous nous. Tu vois, déjà, il y a quelques années, Pagnol, c'était 12% de la population américaine, toute la population des États-Unis, et il a monté. Et alors, nous voyons que Pagnol, la décrise au niveau social, ça crée des séquelles, ça crée des traumas. Nous avons des groupes qui tant coup qui des groupes que tout le monde connaît les LGBTQ qui c'est groupe qui mettait à part qui ont culture à part c'est la culture des valeurs sexuelles qu'ils ont qui différent de société en général et ben moun sa yo yo gagnent des une culture qui permet yo vinn très affaibli et qui capable entrer dans des dépressions que quand même les PTSD. Nous avons d'autres groupes, les groupes de femmes, les femmes par exemple. Les femmes sont très mal vues dans plusieurs sociétés comme culture. La culture, les valeurs qu'on attribue à ces femmes-là, eh bien c'est que y a pas bah les femmes aux valeurs. Nous voyons que même aux États-Unis, femmes ont le droit de vote en très très tard. Et tout ça, ça crée des séquelles
des traumas pour les groupes de femmes. Nous voyons que dans des pays, hein, comme les pays de l'Afrique, côté que la femme est passée au second plan, et toute femme, ça y est, elle est sortie en Afrique, elle vient ici, elle comprend le PTSD. Pour qui ça? Parce que ils ont pas recevoir tout un avantage, ils ont passé parmi les de disadvantage group, de disadvantage culture. So, c'est ça qui fait que PTSD est capable d'attaquer au monde qui a une culture différente, mais en fait de race, de ethnicité, la littérature faut connaître c'est ethno cultural factors qui rentrent, qui a fait au monde gain et PTSD. So, c'est très 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 important. Pour garder et côté ça, le côté culturel, ce n'est pas culturel dans la race seulement, c'est culturel aussi dans la valeur que nous avons prôné dans la société côté la vivre, qui a fait que nous avons souffert de PTSD. Eh bien, encore nous, pour aller, nous disons merci encore de faire que vous prenez le temps pour t'écouter nous. Nous espérons que le programme ça, c'était un programme qu'on est capable d'utiliser peut-être pour nos amis. À la prochaine. Merci. À la prochaine. During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together.